Grand Prix de Pau. TR250. Joli, joli intérieur, hein, n'est-ce pas? Un peu de lumière, ça fera pas plus de mal. Une 1600 Sprint, très très joli d'ailleurs. Belle Porsche. Hein. Et là, une jolie R8. On va faire le petit tour. Pour entendre peut-être doucement les voitures qui roulent. Là, c'est pas la Gordini, c'est la Major tout simplement. La belle Alfa Romeo. Bien sûr, avec les petites coques Sinel juste derrière. Oui, là je suis pas dans le parc encore Beaumont. Je suis pas du tout au parc Beaumont encore. Très joli. Une belle petite Cox. Mais là il y a de la beauté là. Magnifique Alpine. Très joli Alpine. Passer à une Spitfire. Ils ont mis la Triumph si vous préférez. Pour ceux qui ne connaissent pas. Qui est joli. Joli petit intérieur. Une belle 404 cabriolet et une MG. On va arriver sur des anglaises plutôt là. Très jolie. La belle MG bien sûr. Avec une place pour le copilote. Vous voyez le deuxième copilote quoi. Bien derrière, apparemment. Et ça arrive tout le temps, ça arrive tout le temps. Une jolie Morgane. Une jolie Marcos. Elle est jolie celle-là. On n'en voit pas beaucoup. Voilà, on va aller voir son petit derrière d'ailleurs. C'est pour ça que je suis pas trop resté sur la Morgane, mais bon, vous allez voir son cul quand même, hein, la Morgane. Voilà. Mais moi, c'est la Marcos. Hein, qui est très très jolie. Et là, l'Austin. Allez, 3000. Avec juste une autre. Ouais, bon, après, c'est les goûts et les couleurs. Et les deux conduites à l'anglaise, bien sûr. Ah ouais, on va passer la journée tranquillement ici, superbe, ou si vous préférez le vert anglais. Une Jaguar type V12. Ouais, je vais aller regarder les belles sorties d'échappement, j'espère que vous les voyez. Ça c'est une beauté je trouve. Vous pouvez entendre les moteurs tourner des véhicules qui sont d'ailleurs sur le circuit. Belle petite Triumph, je sais plus c'est quoi la terre, 4 ça je sais plus, je sais plus, IRS d'accord. Une
belle petite Alpha. Par contre, je vais aller vous prendre une de suite, une voiture. De suite, je vais changer un peu de droit, mais tant pis. Et voilà ce que je voulais exactement vous montrer. Tiens, le break. Ça, c'est pour mon copain. Le break que je lui avais dit tout à l'heure. Gran Torino. Oui, c'est une Westfield, je peux comment dire trop, désolé. Ça, c'est. Il y a bien le logo anglais, hein. On voit bien que c'est anglais. Très joli. Et toujours une belle MG. Et là, je dirais. Tout simplement pour mon copain Nico. Une belle Corvette. Dommage qu'il n'est pas dans le coin. Voilà, on voit un peu vite fait l'intérieur. Si vous voulez prendre un café, eh bien vous avez le petit Vespa. Voilà, voilà. Le bel MG V8. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Une petite italienne. Eh oui, c'est la Fiat X19. Ben, voilà, que vous avez là. Avec une Triumph TR4 qu'on va aller voir juste après. Voilà, cette voiture, c'était Berton qui l'avait dessinée. Voilà, voilà. Et pour ceux qui pensent que je ne suis pas à Pau, eh ben tout simplement, monsieur Henri IV, voilà. Là, une très belle Mercedes, hein, je vais dire la chose. Très joli, hein. Bon, et là, normalement on m'appelle Aston Martin, donc vous avez compris, et là je vais y rester un peu dessus. Bon, Aston Martin Vintage, ah, ma marque préférée logiquement. Très joli. Belle 911. Allez voir son petit dedans. Hein. Très joli, très bien, bon état. Une belle Jaguar. C'est exactement là, Polypute S, voilà. Bon, maintenant on va aller voir une jolie française. Je dirais tout simplement magnifique. Très joli. Derrière, une jolie petite R5. Ah, j'adore cette voiture, j'adore. J'adore.
C'est une jolie voiture. Jolie MG. Une jolie Triomphe. Et encore une belle Jaguar type E. Avec un hardtop. Et entendez le joli bruit de l'R5. Mais si elle peut se garer, je vais aller l'avoir de suite, hein, avant que ça n'aille ailleurs. Je ne sais pas du tout ce qu'elle va faire. Elle a eu la 504 coupée. Très jolie. Très très jolie. Et une belle Merari. Eh oui, vous pouvez voir carrément qu'il reste encore de la neige sur les Pyrénées. Voilà. Oui, la petite MG Cabrio. Une belle 911. Bon, je crois que j'ai vu du rouge là-bas. Je me dirai, tout ce qui est rouge n'est pas Ferrari. Mais je crois que il y a de la Corvette et de la Ferrari. Voilà, voilà. Et un très joli combi. Putain, c'est sûr que c'était celle-là. Vraiment, je la voyais plus. Ah, si je me trompe pas, c'est la voiture de Magnum. Avec une jolie Fiat. Je ne sais plus trop laquelle c'est. On va aller voir ça. Si on a la chance de pouvoir le faire. C'est une 1430. Voilà, voilà. Deux jolies Mercedes, hein, et une jolie coccinelle. Voilà, on va aller voir après l'autre. Ça c'est une 380 SL, voilà. Et ça c'est la 230 SL, voilà, voilà. Ouais, là ce côté on va dire allemand, hein, les trois là. Voilà, voilà. Et la très jolie coccinelle.